Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo découverte. Nous sommes aujourd'hui ensemble sur Automobilista. Ça faisait un bout de temps que l'on n'était pas revenu sur ce jeu et nous sommes sur le circuit de Cascavel au Brésil pour découvrir ensemble le Stock Car Series 2017, une saison qui est venue s'ajouter au jeu Automobilista donc des studios brésiliens Reiza en accompagnement de la version 1.45 du jeu qui est sorti il y a de cela une petite semaine. Donc je vous fais cette vidéo un petit peu en retard, mais bon, c'est toujours intéressant de revenir sur certains jeux qui sont sortis il y a quelques mois, quelques années parfois, pour y découvrir l'évolution et les nouveautés. Alors ça n'est pas la seule chose qui vient s'ajouter au jeu pour cette mise à jour, il y aura d'autres catégories que l'on vivra ensemble plus tard, notamment je dois aussi vous présenter la Formula Extreme, en tout cas Ultimate 2017, qui copie un petit peu les idées de la Formula moderne. On testera ça une prochaine fois. Oh, devant sa touche. Alors évidemment, nous sommes ici sur un jeu qui, je le rappelle, utilise le moteur graphique et physique de R-Factor, premier du nom. Alors, cette voiture, on va ensemble la passer en revue. Pourquoi je dis cette voiture et non pas ce championnat? Parce que, vous l'aurez vite compris, l'ensemble des voitures disponibles sont un seul et même modèle. Et oui, c'est la crise, même au Brésil. Et du coup, les châssis motorisés par Chevrolet ou par Peugeot, qui avaient deux carrosseries différentes dans la version 2013 de ce championnat, ont désormais disparu. C'est la Chevrolet Cruze sud-américaine qui a repris le flambeau avec des anciens pilotes de Formule 1 bien connus. On a ici à l'image, par exemple, la voiture que l'on incarne, celle de Ricardo Zonta, alors qu'on s'est fait toucher. Et on est parti un petit peu à l'extérieur. Mais il y a notamment, on peut citer aussi Rubens Barrichello, qui est toujours en activité, en plus du WEC, en tout cas des 24 heures du Mans, dans ce championnat. Alors, des voitures qui sont toutes similaires sur le niveau 3D, en tout cas la réalisation est pareille. Il y a les livrées qui varient, elles sont issues bien évidemment de la saison en cours, donc ça c'est plutôt cool. Hop, on est un peu en retard. On est un petit peu en retard, mais on n'est pas trop à l'extérieur. Ça va sur le freinage et on entame le troisième et dernier tour de cette première course à l'image de ce qu'on fait habituellement. On va faire ensemble deux voire trois courses sur ce jeu, même si je n'ai pas beaucoup de circuits. On va essayer de varier tout ça. En tout cas, concernant la voiture, je peux vous dire qu'elle est assez simple à prendre en main pour le moment, avec pour ma part peu d'assistance. Il suffit que je dise ça pour aller percuter la voiture qui se trouve devant moi, c'est toujours ainsi. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'apprécie tout particulièrement ce circuit de Cascavel. Alors que ce soit en monoplace ou autre, c'est vraiment un circuit très très sympa. Je vous le conseille vraiment dans Automobilista, il est de base dans le jeu, n'ayant pas craqué pour les DLC. Je ne peux pas vous présenter d'autres pistes comme Imola ou encore Silverstone. Voilà, le dernier virage va arriver ici au bout et on se retrouve ensuite pour vivre une deuxième course où je vous parlerai, pardon, et des spécificités techniques de cette voiture. Et le départ est donné, on est toujours aux États-Unis mais on change de continent, on va dire ça à peu près comme ça. Hein. On passe en Amérique du Nord, on quitte l'Amérique du Sud et son Brésil pour Road Atlanta, une piste aussi que j'affectionne tout particulièrement. Ça pousse fort. Et on voit dans le rétroviseur une voiture qui est partie en tête à queue. Et le peloton qui est très compact. Hein. Ici, c'est un circuit modé, donc l'IA est un petit peu perdu, mais ça devrait le faire. Alors, la descente ici, c'est chaud. Oui, il y a des voitures un peu dans tout. Il y a des voitures dans tous les sens. Effectivement, on va finir par perdre l'une ou l'autre voiture. Ça bouchonne un petit peu derrière. Alors, passons ensemble en revue la fiche technique de cette voiture. Donc, c'est un moteur 5 litres 7. C'est un V8 propulsion arrière. Donc, c'est une propulsion, cette voiture. Alors, moteur fabriqué par JL, je ne connais pas. Hop, une puissance de 432 chevaux avec un couple à 6500 tours minute, un poids d'une tonne 340 sur la balance. Ça se sent pas trop, la voiture elle est assez agile, assez fine comparée à la
la 2013 qui faisait un petit peu pâteau, vous savez, était un petit peu lourde comme ça. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus agressif et beaucoup plus fin. Peut-être un effet du châssis, tout simplement. La boîte de vitesse de cette voiture est à 6 rapports et elle est semi-automatique, ce qui signifie que vous ne devez pas débrayer. Et ça fonctionne avec des palettes et surtout, ça attaque à l'intérieur. Il va falloir fermer les portes. Voilà, le châssis est bâtissé G09, hein, si vous voulez savoir, qu'elle est utilisée en 2017, depuis 2014, je crois. C'est le même châssis qui est changeant un petit peu au fil des années, mais il reste fondamentalement le même. La voiture dispose de la modification en temps réel de la part du pilote, alors que là, on est allé vraiment au large de l'anti-roulis et du rapport des freins sur l'avant et l'arrière. Attention, parce que là, il y a du monde. On risque de se faire encore avoir. Ça glisse pas mal. Alors que là, on est à la bagarre côte à côte avec Antonio Pizzonia. Et devant, hop, ça glisse. Une voiture qui est en tête à queue. Hop, ça nous revient pas loin. Mais par contre, je crois derrière, ouais, Pizzonia se l'est mangé. Antonio Pizzonia, d'ailleurs, champion 2016 de cette catégorie. Si on jette un coup d'œil au classement actuel, c'est Daniel Serra qui est en tête. À un peu plus loin que mi-saison, hein, dans cette année 2017. On notera quand même la belle 7e place actuellement de Rubens Barrichello, qui montre bien qu'il n'a pas tout perdu de ses plus belles années de porteur d'eau chez Ferrari. Allez, l'attaque. Là, il y a du monde. Là, ça peut être sympa. On pousse là. On essaie de faire le draft un peu à la NASCAR. Ça déboîte. On va essayer de faire l'intérieur à tout le monde. Et comme ça, ça va régler un petit peu le problème. Allez, hop, et ça touche. Allez, laisse-moi de la place. On était proche de là, mais on va freiner un peu plus tôt. Et on ne va pas tenter le diable dans cette course. En tout cas, c'est un contenu, sachez-le, qui est 100% gratuit de la part de Reza Studio, là où les DLC fonctionnent bien. D'ailleurs, alors où je vous parle, Air Factor 2 a sorti également son premier DLC. J'espère pouvoir vous le proposer prochainement dans la veine de ce qui va se faire pour le World Greatest Gamer chez McLaren. Je vous en reparlerai d'ailleurs un petit peu plus de cette compétition, puisque vous pourrez la vivre en partie sur ma chaîne. Oh, petite exclu, il faut regarder les découvertes. Vous avez un petit truc sympa à savoir. Je vous en dirai plus tard, alors que ça glisse toujours. En tout cas, pour revenir vraiment au mode, en tout cas cette saison, elle est vraiment très sympa, très agréable. Après, ça n'est pas évidemment une fondamentale refonte du stock car, mais ça fait quand même son petit effet, c'est sympa comme mise à jour de la part de Reza. Alors aussi, il y a pas mal d'autres contenus qui ont été annoncés par le studio brésilien, notamment des Barra, hein, ces petites Volkswagen, mais non pas version off-road, version route, avec des grandes roues assez impressionnantes, un pot d'échappement imposant, et l'équivalent d'une Golf 2 Rabbit en compétition aussi, ou en voiture de route. Ça a l'air un petit peu casse-tête ce qui va sortir dans les prochains mois pour Automobilista, mais en tout cas, ils continuent de faire vivre leur jeu, de développer des modèles, des voitures, des circuits. Tout n'est pas forcément payant, ça aussi, ça fidélise les joueurs, et on en vient à quasiment oublier la qualité graphique de ce jeu qui fait parfois pâle figure. Faut pas oublier que Air Factor premier du nom est sorti tout de même il y a 10 ans, donc ça a quand même pris quelques rides, ça se voit d'ailleurs sur les circuits modés. Allez, on va terminer avec l'arrivée de cette dernière course qui va avoir lieu tout de suite. Voilà. Allez, départ plutôt fébrile ici à Interlagos. Quoi de mieux pour terminer cette vidéo de présentation qu'une troisième course sur le circuit du Grand Prix du Brésil. Alors, en tout début d'épreuve, je ne vais pas forcément continuer à vous expliquer ce que je pense de cette voiture. Je vais vous reprendre d'ici quelques temps pour la conclusion. Je vous invite à vivre le premier tour de cette course en vue on-board et extérieur pour apprécier le son plutôt correct de cette voiture. Pas exceptionnel, mais plutôt correct en on-board et en vue TV.
Voilà donc de quoi apprécier le son en caméra embarquée et en vue extérieure de cette voiture qui, comme je vous le disais, n'est pas forcément transcendant, mais qui est assez convaincant par rapport à ce qu'on peut entendre. C'est un bon bruit de V8. Alors, la course a l'air assez chaude pour le moment. En tout cas, vous le voyez, ça glisse. Hop, voilà, il suffisait que je le dise, décidément, c'est terrible. Mais la capacité de la voiture à surchauffer les pneus est assez ouf, en fait. C'est assez impressionnant. À force de rouler un peu plus longtemps, on constate que oui, la voiture surchauffe rapidement ses pneus dans ces virages-ci. Donc il faut peut-être prendre le temps de bien la régler, de bien faire ses balances de frein et de pression, parce que bien selon le circuit, ça peut vous jouer de mauvais tours et la voiture devient très très vite inconduisible et glisse et survire. Donc ça peut poser quelques petits problèmes. En tout cas, c'est un mode qui est gratuit pour Reza Studio. C'est très très bien de faire ce genre de choses. Ça, comme je vous le disais, fidélise les joueurs. En tout cas, moi, j'ai beaucoup kiffé retourner sur le jeu et retourner vous tester cette voiture. Je vais revenir dans quelques jours, je l'espère, vous présenter la Formula Ultimate avec un skin, je pense, saison 2017. J'essaie de trouver ça pour le jeu et vous faire un petit compte-rendu de ce que cela donne. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était donc une découverte. Vous avez dans la description le lien vers Automobilista sur sa page Steam si vous souhaitez l'acquérir. Le jeu est dispo uniquement sur PC. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous laisse avec la fin de ce tour. Et d'ici là, eh bien, bon amusement pour les prochains jours sur votre simulation favorite. Allez, à la prochaine. Salut !